Hola, que tal? J'espère que vous êtes prêts à vivre de nouvelles aventures, les amis, car je suis très heureuse de vous retrouver ici à l'extrême sud de l'Europe et plus précisément au sud de l'Espagne pour partager avec vous un road trip andalou. L'Andalousie est d'une beauté sauvage et métissée, terre de brassage et de rencontre des civilisations. On pense à Séville, Cordoue, l'Alhambra et Grenade et bien d'autres merveilles encore. Mais c'est un autre visage de la belle Andalouse que j'ai envie de vous montrer en partant avec vous sur la route des villages blancs. Du littoral jusqu'au contrefort de la Sierra de Grazalema, los pueblos blancos nous attendent. Alors c'est parti, on y va, vamonos! À la découverte des villages blancs d'Andalousie. Tu vas voir, le village de Taberna, c'est un peu comme une oasis au milieu du désert. Ces plantes et ces fleurs sont typiques de ce village blanc. Les avis sont bien tranchés. Vous me donneriez un appartement au cœur de Madrid? Je n'en voudrais pas. Je veux vivre dans une maison troglodyte dans ce petit village. Sophie Jovillard va voyager dans le temps. On est au milieu du désert, du seul désert en Europe. Pour les amateurs de cinéma, pour ceux qui sont friands de cinéma d'aventure, c'est un rêve de gamin. Entre Il était une fois dans l'Ouest et Retour vers le futur. Les installations de la plateforme solaire s'étendent sur près de 100 hectares. Nous disposons d'un espace énorme qui nous permet d'avoir beaucoup d'installations. De l'aventure. J'inspecte la zone sur laquelle je dois larguer le riz. C'est la première chose à faire. De l'évasion. Le Rio Guadalquivir est le fleuve le plus important de toute l'Espagne. Toutes les civilisations sont passées par là depuis plus de 1000 ans. Et de la passion. Comme tu vois, Sophie, nous avons de tout ici. La nourriture est incroyable. Légumes, poissons frais, plages, on a tout pour plaire. Faut que ce soit un peu plus dynamique, hein. Bienvenue à Andalusia. Salut Sophie. Comment ça va? Très bien, et toi? Mais ça va très bien, je suis très heureuse de te retrouver. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Hermès? Tu m'as dit qu'on allait se retrouver pendant une session de surf et je te vois là, assis, sur la plage, à regarder les copains. Eh oui, j'adore faire du surf, mais aujourd'hui les conditions ne le permettent pas. Mais tu es venu voir un sculpteur, pas seulement un surfeur. Là, je regardais les kitesurfers. Il y a du vent, c'est parfait pour eux. Ah bah je te comprends, il y a un beau spectacle là devant nous, ils se font plaisir. Comme tu le vois, Moyacar est divisé en deux, le village et la plage. Allez, je te propose de monter au village. Ouais, avec plaisir, et en plus quand Sophia, la sagesse, rencontre Hermès, le dieu des voyageurs, ils ont forcément plein de trucs à se raconter. Wow, oh, quel beau camion. Je t'en prie, t'as vu, c'est sympa, hein. Allez, en route, camarade. Sophie, garde-toi ici. On ne peut pas aller plus loin. Ici, là, ça va? Yeah. OK. Tu vois, Hermès, je m'attendais à trouver une architecture un petit peu plus ancienne ici. Là, on va visiter le centre-ville, qui est la partie la plus ancienne de Moyacar. Par le passé, le village était sur une montagne en contrebas. Mais en effet, tu as raison, au XIIIe siècle, Moyacar a été déplacé ici. Là-bas, c'était trop exposé, donc tous les villageois se sont réfugiés ici. Ça, c'est le fameux Indalo. On le sculpte dans notre atelier. Le symbole de Moyacar. Yeah.
Sophie, je voulais te montrer cette fontaine emblématique et historique de Boyacá. Ici a eu lieu l'accord de paix entre les Arabes et les chrétiens, quand ces derniers ont assiégé le village. Ça a permis aux musulmans et aux chrétiens de vivre ensemble dans le village. C'est assez exceptionnel. Comme tu le verras dans les autres villages blancs, l'histoire est plus cruelle. C'est la rue des chats ici, hein? Hola, El Gato! Ça va? Tranquille? C'est l'heure de la sieste, hein? Nous arrivons à l'ancienne porte de la vieille ville. Elle a été reconstruite à l'arrivée des chrétiens. Tu peux voir le blason de Moyacar, qui est très ancien, mais qu'on a gardé jusqu'à aujourd'hui. Ah, je vois que c'est aussi écrit en arabe, hein, ce qui rappelle la présence de la civilisation maure ici dans la région pendant plusieurs siècles. Sophie, je te présente mon père, Juan. Bonjour, Juan. Hola. Bonjour, Sophie. Comment vas-tu? Oui, bien. Alors, le voilà, Lindalo. Oui, c'est très représentatif de la ville et de la province d'Almeria. C'est le symbole de toute la province. C'est aussi un porte-bonheur. Qu'est-ce qui représente alors ce symbole? À l'origine, c'est une peinture rupestre retrouvé au nord de la région. Ça représenterait un homme tenant un arc-en-ciel ou le monde entre ses bras. Mais il y a 4000 ans, on représentait surtout des scènes de chasse. Donc ce serait plutôt un chasseur avec un arc. Tu pourrais montrer à Sophie comment on travaille le marbre. Oh, ce serait un honneur, maître. Je suis votre élève. Ok. Merci beaucoup. Gracias. Tu as une massette et un burin. L'important, c'est de donner des petits coups avec un angle de 45 degrés. Ne pas le tenir comme ça parce que... Oui, ça va, sinon ça va ripper. Ni comme ça pour ne rien casser. Bon, j'essaye. Hein. Lève un petit peu. Comme ça. Ah, impeccable, tu es une vraie artiste. T'as vu? Tu es artiste. Tu aimes transmettre ton savoir. Ouais. J'adore faire découvrir mon métier. Ça me plaît de montrer le travail de la pierre. J'aime aussi que quelqu'un puisse prendre plaisir à faire ça. C'est ce que j'ai transmis à mon fils. C'est une très grande satisfaction. J'ai grandi avec ça depuis tout petit. Et j'y prends beaucoup de plaisir. C'est entre mon père et moi. On crée ensemble. Mais c'est vraiment mon père, l'artiste. Je suis encore en train d'apprendre. Ça va, Hermès, comme ça? Oui, c'est très bien. Si tu veux, on peut t'engager. Bravo. Allez, on continue la visite? Ouais. Merci, Juan, de m'avoir montré les gestes. Avec plaisir. Avant de partir, j'aimerais t'offrir ce porte-bonheur. Oh. Lequel tu veux? Celui-là, parfait. Pour toi. Merci, Hermès. Que le dieu du voyage m'offre un porte-bonheur, ça me plaît beaucoup. Merci, merci. Gracias. Merci pour la vue, là. Tu te rends bien compte comment le village de Moyacar s'est étendu jusqu'à la mer. Tu vois, on est parti de là-bas. Tu estimes avoir de la chance de vivre, toi, ici, en Andalousie? Oui, j'ai beaucoup de chance. J'aime beaucoup voyager, mais je finis toujours par revenir. Ça a un charme irrésistible. J'y ai ma famille, mes amis, mon travail. Puis regarde. Mira.
Ça va, Mario? Bien. Comment ça avance? Nous, on va peindre une façade un peu plus loin. On a le soleil avec nous. À la prochaine. À Montellano, Manolo est un homme important. Il est peintre en bâtiment. Et dans le village, il a toujours du travail. Regarde, ce mur-là, il faudrait arranger ça. Il faudrait tout nettoyer. Gratter la vieille peinture. Et repeindre ça bien blanc. Originellement, les villages andalous étaient peints à la chaux. Les vertus antiseptiques du matériau permettant de se prémunir des épidémies. Hola. Bonjour, ça va? Aujourd'hui, Manolo utilise de la peinture. Mais les propriétés du blanc sont toujours très recherchées dans une région où le soleil règne en maître. On peint les murs en blanc pour lutter contre la chaleur. Un bâtiment peint en blanc réfléchit les rayons du soleil et n'emmagasine plus la chaleur. J'ai beaucoup de satisfaction lorsque je repeins un mur qui était en mauvais état. Lorsque le bâtiment est bien peint, tu te sens très fier du résultat. C'est parfait, c'est bien blanc. C'est un travail très gratifiant. Mais dans certaines zones de la province, le soleil est trop puissant, la chaleur trop forte. Alors, les hommes se sont adaptés. À Guadix, 1500 villageois vivent dans des maisons creusées à même la roche. Ça, c'est la construction traditionnelle du village de Guadix, une maison-grotte. C'est très intéressant car ici, on a une température constante de 17 à 19 degrés pendant toute l'année. À Guadix, on construit encore des maisons-grottes. Pour ça, il faut trouver le bon rocher. Jorge travaille les falaises depuis plus de 30 ans. Il sait reconnaître le bon emplacement. Le terrain est bon car il est argileux. À la couleur, on voit que la roche est bonne et surtout sèche. Ici, on pourrait faire une belle fenêtre. Dans une maison troglodyte, les fenêtres sont petites pour ne pas laisser entrer ni la chaleur ni le froid. Vu la hauteur, je pense qu'on pourrait y creuser 6 à 7 pièces. Avec la matière extraite de la roche, Jorge façonne les éléments qui serviront à construire la façade. Pour lui, les maisons troglodytes ont encore leur place dans l'Andalousie d'aujourd'hui. Ma mère et mon père vivaient dans une maison semblable. Il faut défendre ce mode de vie qui fait partie de nos traditions. Vous me donneriez un appartement au cœur de Madrid, je n'en voudrais pas. Moi, je veux vivre dans une grotte, dans ce petit village. Il est une autre tradition très importante dans les villages andalous. Et celle-ci aussi est très liée au soleil. Dans les ruelles de Miras, les fleurs sont omniprésentes. Pas une façade sans son pot fleuri. Et pour certains habitants, la passion du jardinage peut devenir dévorante. Il faut tout couper. Je ne laisse rien, c'est ça? Il faut enlever les fleurs sèches sur les bégonias. Toutes les fleurs sèches. À 85 ans, celle que l'on surnomme Pepita est une figure du village. Voilà 50 ans qu'elle collectionne les plants et les récompenses de concours de balcons fleuris. Au milieu de ce jardin extraordinaire, elle avoue être un peu débordée. Ici, je ne les ai pas toutes comptées. On a des bégonias, des coléus, des roses. En réalité, c'est difficile de toutes les compter. Lourdes, la fille de Pepita,
vient régulièrement aider sa mère à prendre soin de ses plants. C'est énormément de travail. Il faut s'en occuper tous les jours ou tous les deux jours, couper les fleurs sèches, arroser. Quand un plant meurt, en replanter un. Des efforts nécessaires, car dans la famille, ces pots de fleurs sont un héritage à cultiver. L'Andalousie est connue pour ses fleurs. C'est une superbe tradition dans nos villages. Il y a des pots colorés dans les escaliers, dans les rues. Les villages sont magnifiques. Vous savez, il y a beaucoup de concurrence entre nous. C'est à qui aura le village le plus fleuri. Sous le soleil de l'Andalousie, les villages affichent leurs différences. Ils font partie intégrante de la carte postale qui attire les visiteurs du monde entier. Sophie, nous sommes au cap de Gat et derrière, c'est la plage des morts. On est avec le capitaine Antonio, ma copine Marina et Samuel. On va découvrir un endroit magnifique. Tony, pourquoi on l'appelle comme ça ? On l'appelle la plage des morts car ici, il y a beaucoup de courant. Lorsqu'un bateau s'échoue au large, tous les débris convergent ici, également les naufragés. La particularité du parc naturel du Cap de Gat est son origine volcanique. Ce qu'on voit aujourd'hui à la surface était immergé. Par exemple, ce rocher s'est formé avec l'éruption volcanique. C'est un morceau de roche qui s'est détaché, sans doute à cause d'une éruption sous-marine. Derrière nous, je vois une usine, la ville pas loin. C'est difficile de trouver des zones naturelles préservées, protégées ici sur ce littoral. La centrale thermique a été construite avant son classement comme parc naturel. Mais depuis, on ne peut plus construire ni modifier l'environnement du parc. Sophie, tu vois cette roche blanche ? C'est du granit. C'est une roche qui se différencie des roches volcaniques. Ça, c'est pour toi. On va en prendre un morceau et en faire une table. Fais attention, il va arriver, il va vouloir tout sculpter là, si tu lui montres le granit. On s'arrête, on prend un morceau et on l'apporte à Boyacá. Vaut mieux que tu restes dans le bateau, Sophie. L'eau est vraiment fraîche. Hermès ? Attends, attends, photo ! Bonne baignade ! C'était cool. Ouais. On a vu pas mal de poissons. On a vu des poissons lunes, des poulpes. On a aussi vu des méduses. Ouais. Merci pour cette balade en mer, Tony. Gracias. Voilà mon père. On va voir si on peut acheter du poisson frais. Salut Juan. Hola.
Salut Sophie. Ça va bien, ça va. Comment ça va? Ouais, bah super. Écoute, j'étais en bonne compagnie avec ton fils. Ah, merveilleux. C'est un bon garçon. Exactement. Quel type de poisson il pêche? Le plus typique d'ici, c'est la gambasse rouge de Garrucha. Elle est très célèbre et très appréciée pour sa saveur. Mais tu as aussi des perches, des turbots et d'autres types de poissons qu'on peut aller voir dans la salle des ventes si tu veux. Tu vois, le poisson, là, il le pèse. Il fixe un prix maximum qui baisse petit à petit. Jusqu'à ce que l'intéressé appuie sur la commande, le prix est fixé pour l'acheteur. D'accord. Ah ouais, là, on vend deux cagettes. 14 kilos, 33 euros. Bim, Monsieur Amadeo, c'est pour vous. Ah, ça va vite, hein. Ah ben voilà, c'est fini, tout le monde s'en va. C'est fini. Et voilà. Ici, on dit que tout le poisson est vendu d'avance. Un kilo deux. Ah, magnifique, hein. Comme tu vois, Sophie, nous avons de tout ici. La nourriture est incroyable. Je ne partirai jamais d'ici. Ce sont des légumes d'Almeria. Légumes, poissons frais, plage, on a tout pour plaire. Tu vis en bord de mer, en famille, avec tes amis. Je comprends que tu sois heureux ici. Ça se passe bien, la préparation des légumes? Bah écoute, c'est parfait, on a quasiment fini, ouais. Faut que ce soit un peu plus dynamique, hein. Beaucoup de sel? Oui, beaucoup. En fait, c'est qui travaille, là, Juan? C'est un travail d'équipe. C'est comme nous. Et t'es un artiste aussi en cuisine, alors? Cuisiner comme un grand artiste, c'est un savoir-faire. Bon appétit. Merci. Elles ont l'air bonnes, hein. Merci beaucoup, Sophie, d'être venue dans notre village. J'espère qu'il t'a plu. Et j'espère que ton voyage en Andalousie va bien se passer. Tu vas voir beaucoup de villages blancs comme Moyacar. Bah moi, j'étais très heureuse de commencer ce voyage avec toi. Merci pour ton accueil, merci de m'avoir présenté tes proches. T'as raison, j'ai encore un long voyage à faire. Je te souhaite plein de bonnes choses dans notre région. Merci beaucoup. C'est bon, hein? Oh là là. Oh, c'est un plaisir. Ah ouais. Un des points forts de cet endroit, c'est que nous nous trouvons juste à côté du Guadalquivir. On descend du village avec le kayak, on embarque, on se met à l'eau et on profite de la rivière. Ismaël habite Villa del Rio dans le nord de la province. Dès qu'il en a l'occasion, il attrape sa pagaie et descend le fleuve sur des dizaines de kilomètres. Un voyage aussi sportif que culturel. Le Rio Guadalquivir est le fleuve le plus important de toute l'Espagne. 650 kilomètres. C'est celui qui a le plus d'histoire. Toutes les civilisations sont passées par là depuis plus de 1000 ans. Ici, on est sur le fleuve, aux abords du village de Montoro. On l'appelle la beauté cachée. Pourquoi la beauté cachée? Parce que les gens qui viennent ici ne le connaissaient pas avant. Et quand ils le découvrent, ils en tombent follement amoureux. Ismaël aime les vieilles pierres. Mais pour lui, le fleuve a aussi un parfum d'aventure. Au fil des années, il a appris à connaître la part sauvage du Guadalquivir. «
Depuis qu'on est tout petit, ce fleuve est notre terrain d'aventure. Dans cette région, on a appris à le respecter et on le voit comme un espace naturel exceptionnel. Et on ne le connaît pas encore tout à fait. À chaque sortie, on peut découvrir de nouvelles choses et des coins cachés qui nous plairont encore plus que tout ce qu'on connaissait. Les abords du Guadalquivir réservent bien des surprises. À quelques kilomètres du lit du fleuve, on trouve ce décor grandiose. Ici, on est dans l'embalsé de Yegua. L'eau qu'on trouve ici descendra jusqu'au fameux Guadalquivir. C'est un paradis pour la perche, et c'est ce que nous venons chercher. Car Antonio et ses collègues ne sont pas là que pour le paysage. Lorsqu'ils viennent ici, ils sont en chasse. On traque les poissons avec des leurres. On essaye près de la berge pour trouver les mâles qui mordent à cette époque de l'année. C'est une zone parfaite. Il y a beaucoup d'air, beaucoup de nourriture pour eux. On va essayer d'en attraper. Pour arriver à leur fin, les trois amis peuvent lancer pendant des heures. J'en ai un. Mais en général, la prise ne se fait pas trop attendre. Ça, c'est une perche. Un poisson très recherché dans le coin. Ici, dans la région de Córdoba, les gens deviennent fous pour ce poisson. C'est mon hobby. Ça fait partie de ma vie. Je travaille, j'ai ma famille, mais je passe beaucoup de temps à pêcher. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Ici, dans la région, nous sommes mordus de pêche. Pour les villageois du fleuve, le Guadalquivir n'est pas seulement synonyme de loisir. Le fleuve est aussi un axe de communication. Au sud de Séville, aucun pont n'enjambe le cours d'eau. Pour se déplacer, les villageois de la région dépendent des allers-retours de ce bac et des talents de son capitaine. L'abordage se fait toujours à contre-courant. En ce moment, j'essaye de le remonter un peu. Ici, on sent l'influence de la marée. Elle monte et descend. En ce moment, elle descend. Là, il y a peu de courant, mais quand elle remontera, ça va créer beaucoup de remous dans l'autre sens. Mais il faut affronter le courant, car pas question d'arrêter le bac. De 7h du matin à 19h, il ne désemplit pas. C'est comme un Tetris. En fonction de la taille de la voiture, grande ou petite, on les range différemment. Au cours d'une journée, le bac effectue des centaines d'allers-retours. Pour les habitants de la région, il est bien plus qu'un simple moyen de transport. Ce service est très important, car il permet d'unir les villages des environs. Ici, on est à Coria del Rio, mais de l'autre côté, on trouve les villages de Dos Hermanas et de Los Palacios. Le bac évite de faire un détour de plus de 35 km et de passer par Séville. Et en plus, les machines agricoles et ceux qui ne peuvent pas passer par l'autoroute passent par ici. Terrain d'aventure, de loisirs ou moyen de communication, le Guadalquivir est un trait d'union entre les villageois qui vivent sur ses berges. Como
Chicas, bravo. Comment vas-tu, hein? Bah, super bien. Oui, bien. Vous avez une sacrée énergie ici, hein, les filles de Frigliana. Oui, mais seulement avant 10 heures. Après, il y a trop de soleil, mais c'est fantastique. D'accord. Je suis ravie de t'accueillir dans mon village. Je te fais visiter? Super, bien sûr, avec plaisir. Je te laisse te changer peut-être et te rafraîchir. Ça marche. Mieux, t'as pu te rafraîchir. Ça va mucho mejor. Gracias. Ça, c'est une belle expression. Ça va mucho mejor. La mitad. Si vraiment, Frigliana, t'as trouvé ton petit lieu de tranquillité pour vivre? Oui, tout à fait. Je suis anglaise, j'ai beaucoup voyagé. Et au final, j'ai voulu vivre ici, dans ce petit village. Il y a beaucoup de nature, c'est vraiment bien. Et en t'attendant, tu vois, je me demandais quelle était l'histoire de ce bâtiment-là, ici? C'est l'un des bâtiments les plus anciens de Frigliana. C'est une fabrique de miel, de canne à sucre. C'est la seule d'Europe. Elle date du XVIe siècle. Maintenant, on arrive à Baribarto, le centre historique de Frigliana. C'est vraiment le cœur du village. Exactement. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu t'es sentie tout de suite ici, chez toi. Oui, ce village est vraiment charmant. Dès les premiers jours, je me suis sentie heureuse chez moi. Tous les voisins ont été très gentils. Ils m'ont accueillie à bras ouverts dès le début. Ils m'ont aidée, fait des petits cadeaux. Comme je parlais déjà espagnol, ça m'a aidée à entrer dans la culture. Bonjour, José. Bonjour. Bonjour. Sophie, je te présente un voisin, José. Hola, que tal, José? Ça va, en plein travail. Bah oui, je vois ça, dis donc. Et vous êtes bien accompagné? C'est ma mule, Espagnola. Espagnola. Elle est belle, hein? Oui, c'est vrai. On aide et on travaille ici. Dans cette partie du village, on ne peut pas se déplacer avec n'importe quel véhicule. Quand il y a des travaux, des constructions, la mule aide à transporter le matériel, les encombrants, et on aide aussi pour les déménagements. Depuis combien de temps? Depuis l'âge de 9 ans. Ah bon? Vous avez commencé très très jeune. Et aujourd'hui, j'ai 70 ans. Les femmes et les hommes d'ici ont les mollets et les fesses dures. Si, les fesses dures. Bon, ben, on ne vous dérange pas plus longtemps dans votre travail, hein. Bon courage. Gracias. Il fait vraiment trop chaud. Ça valait le coup de marcher un petit peu. Alors tu vois, le village est en deux parties. Tu as à droite le cœur historique et à gauche la partie plus récente. Et comme dans tous ces villages, vraiment au cœur d'une nature très préservée. Hein? Oui, tout le village est sur un site très protégé. Par exemple, dans toute la partie historique, on ne peut rien modifier. C'est pour cette raison que c'est intact, comme ça l'était jadis. C'est aussi une histoire plus tragique, plus sanglante que nous racontent ces paysages-là. Oui, c'est vrai. Au Moyen-Âge, il y avait beaucoup de violences, de guerres. Par exemple, un conflit a opposé les chrétiens et les musulmans. Les chrétiens voulaient prendre Frigliana et ils ont chassé les musulmans hors du village. Donc ces derniers ont fui jusqu'à la montagne qu'on aperçoit au loin. Ils se sont retrouvés au bord d'une falaise à 1000 mètres de hauteur. Les chrétiens les ont poussés dans le vide, d'autres ont préféré se suicider. Bon, heureusement, aujourd'hui, c'est le théâtre de choses beaucoup plus positives. Mira, Sophia. Oui, regarde Sophie au loin. À l'angle de la rue, là, puis à droite, et en direction du centre. Tu peux voir un voile d'ombrage triangulaire. C'est la terrasse de mon hôtel, en plein cœur du village historique.
Ça y est, nous sommes arrivés à l'hôtel. Ces plantes et ces fleurs sont typiques de ce village blanc. Ça a toujours été un hôtel ici? Non, non, il y a 6 ou 7 ans, c'était en ruine. Pendant 2 ans, on a tout rénové et maintenant, c'est un boutique-hôtel. Ah oui, t'as créé ton petit monde là, ici. Hein, ton... Exactement. Toutes les portes du village sont vraiment magnifiques. Il s'agit de la main de Fatma. Bienvenue à l'hôtel. On va à la cuisine. On a de nombreux produits typiques de Frigiliana, comme le miel de canne. Regarde. Celui-ci, par exemple, c'est à base de canne à sucre. La canne passe en machine pour en extraire le jus. C'est ensuite cuisiné pour obtenir une sorte de mélasse. La saveur du village. Ah oui, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était beaucoup plus sucré. C'est un petit goût de réglisse. Peut-être mettre un peu de pain d'épices à la fin. Mm-hmm. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bueno, mira, yo te lo regalo. Tiens, je te l'offre. À déguster pendant ton voyage. Merci. Je garde un petit souvenir comme ça de mon passage ici. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci pour ton sourire. De rien, avec plaisir et bonne continuation. Il fait bon vivre dans les villages andalous. Mais beaucoup d'entre eux, situés loin des circuits touristiques, font face à un défi de taille. Le vieillissement de la population et l'exode rural. Mais à Restabal, au sud-est de la région, souffle un vent de jeunesse. Ici, beaucoup de gens, des jeunes principalement, sont partis. Les habitations sont revendues, mais elles servent de maisons secondaires. Cela n'apporte rien à l'économie locale. Nous, ce que l'on souhaite, c'est mettre en place des projets et créer des opportunités d'emploi qui fassent que de plus en plus de maisons soient louées par des gens qui vivent vraiment ici. Habiba et les autres membres de la Bolina veulent faire reverdir Restabal. Andalous, marocains et même français. Ils sont une dizaine de jeunes à s'être installés à l'année dans ce village de 500 habitants pour en cultiver les terres. Ces parcelles qui étaient en friche ont encore beaucoup à donner. Ce sont des fèves, du coup, c'est une variété qui pousse ici beaucoup en Andalousie, surtout dans la région de Grenade. Ça pousse beaucoup ici parce que ça a besoin de soleil et ça a quand même besoin de pas mal d'eau. Et comme l'eau de la Sierra Nevada arrive jusque dans la vallée de l'Écrine, entre autres, c'est quand même plutôt un endroit particulièrement facile pour cultiver. Dans leurs champs, les maraîchers cultivent fruits et légumes de saison. On va commencer par couper ces petites racines. L'équipe est en constante évolution. Et ici, il faut que tu coupes les tiges jusqu'à ce niveau. Le but, former de nouveaux jardiniers et favoriser les installations. Les connaissances locales sur le climat, sur les semences, sur le moment de planter ou non, elles ont toujours existé ici. Mais nous sommes des êtres humains, et lorsque les anciens s'en vont, ces connaissances peuvent se perdre. C'est très important que les jeunes se les approprient pour que ces savoir-faire perdurent dans nos villages. Les maraîchers de Restabal veulent être un exemple. Et c'est grâce à leurs légumes qu'ils commencent à être connus. Toutes les semaines, Marie part en tournée livrer ses paniers dans les 6 villages de la vallée de l'Écrine. Son choix de vie, la Française ne le regrette pas. Matin, il y a quelque chose dans la vallée, on croise peu de monde. Et les petits villages avec les petits cours d'eau qui passent aux alentours. Et les couleurs. Les couleurs le matin, c'est super. C'est une vallée un petit peu secrète. Parce que du coup, si on va pas s'y perdre, on n'a pas l'idée d'aller jusque-là. Salut, ça va? Bien, et toi? Alors voilà ta caisse. On a des fèves, des asperges, de la salade et de l'ail nouveau. Ici, notre confiture de prunes de la vallée. Ça sent bon. Et on va cuisiner ça maintenant. À chaque livraison, c'est une surprise.
Et c'est chaque semaine. Ça nous permet de déguster de super produits de saison. À bientôt, merci. Allez, à la semaine prochaine. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent par l'envie de vivre à la campagne, par l'envie de se rapprocher aussi des petits projets en tout genre comme celui de la Bolina, entre autres, et de redynamiser un petit peu ces milieux ruraux pour en trouver leur compte, eux, en tant que jeunes. Je pense que la vallée de l'Écrine est dans une bonne lancée et un avenir vraiment, vraiment chouette qui l'attend. Comment ça va ? Comment ça va, Nawel ? Très bien, et toi ? Bah, ça va super bien, la route est magnifique, là. Et tu n'as encore rien vu. Et ouais, là, il y a déjà un très beau décor derrière nous. Hein. Je te propose de passer dans le village de Tabernas, et ensuite, on ira dans le désert. Super, monte avec moi. Ouais. Allez. Quel personnage, ce Nawel ! Je sens qu'il a de l'énergie à revendre, Nawel. Allez, c'est parti. Ici comme paysage. Oui, tu vas voir, le village de Tabernas, c'est un peu comme une oasis au milieu du désert. Il y a ici un désert très très grand, d'environ 300 km². Il y a d'ailleurs un décor de western, un endroit très particulier où je travaille. Oui, parce que c'est pas le Far West, mais ça y ressemble. Quand je suis arrivé il y a 4 ans, je me suis dit que je pouvais être cascadeur. On se croirait en plein Far West ici, mais ce n'est que du cinéma, bien sûr. Oh, regarde, il y a même des gens. Il y a du monde aujourd'hui. En Andalousie, le soleil chauffe. Les gens restent à l'ombre, ils ont bien raison. Les gens n'aiment pas la chaleur, mais ils aiment le soleil. C'est bien pour apprécier une bière. Là, c'est la rue principale du village, du quartier d'en haut. Le village de Tabernas est en fait en deux parties. Le quartier d'en haut avec l'église et le quartier d'en bas avec la fontaine. Allons dans les décors mythiques et authentiques du cinéma. On va aller voir ces décors de western cow-boy. Attention, Sophie. Émotion. Ça y est, on est à Fort Bravo. Chez les cow-boys. Mira. Regarde, suis-moi. Ici, c'est ma deuxième maison. Bienvenue à Fort Bravo. En fait, t'es comme un gamin, toi, quand t'es ici. Hein. Là, nous sommes dans le décor mexicain. Suis-moi. D'accord. Vamos a seguir. Alors là, Nawel, on est dans le berceau du western spaghetti, cher au cœur de Sergio Leone, entre autres. Oui, beaucoup de réalisateurs sont passés ici. Mais Sergio Leone a marqué l'histoire avec le western spaghetti. Avec des films comme Le Bon, La Brute et Le Truand, pour une poignée de dollars. Il était une fois dans l'Ouest. Charles Bronson, Claudia Cardinale. Ah là là, j'ai adoré tous ces westerns. Et là, on a vraiment l'archétype des décors de western là autour de nous. Oui, c'est un décor original du western avec une boutique de liqueur et tabac. Une épicerie aussi, une banque. Et le saloon. Et le saloon, le vrai. Une porte battante comme ça. Tiens, tu veux entrer comme un véritable cow-boy? Et voilà.
Non, il faut le faire mieux. Ça, c'est une entrée de cow-boy. On a l'impression que John Wayne, Clint Eastwood ou Charles Bronson pourraient arriver là d'un moment à l'autre. Quand tu rentres ici, tu as l'impression de plonger dans une autre époque. Comment t'es arrivé, toi, dans cet univers? La vérité, c'est qu'avant, j'étais vendeur de vêtements pour femmes. Et puis un jour, mon ami Raphaël m'a proposé d'essayer de jouer dans un spectacle. Et au fur et à mesure, je suis devenu un vrai pistolero. Ah. Et je suis resté par amour. Ah, c'est joli ce que tu me racontes. Par exemple, j'ai connu ma femme ici. Elle travaillait avec moi comme danseuse de cancan. D'accord. Ah ouais. Mais t'as aussi fait des tournages de films, de western. Quels sont tes moments les plus marquants? Mon premier film a été Les Dalton avec Lucky Luke. T'as rencontré Lucky Luke? Oui, mais je suis Dalton aussi. Pour ce film, je n'étais pas cascadeur, j'ai juste fait de la figuration. J'avais les cheveux ébouriffés, je devais les plaquer car je jouais un banquier. Non, ton chapeau n'est pas le bon. Okay. C'est pas un chapeau de cow-boy. Ça, c'est vrai. Tiens, mets celui-là. Ah, là, c'est pas la même, là. Ah, maintenant, tu es un vrai cow-boy. Tiens, et ça, tu connais. Avec tout ça, prépare-toi à vivre une scène authentique de western. Sur la grande place. Ok, cow-boy. On y va? Allez, après toi. Merci de m'avoir appris à faire un duel. Laurent, lui aussi, connaît bien le village de Fort Bravo. Plusieurs fois par an, il y pose ses valises. Pour le français, les mythiques studios n'ont plus de secret. Là, on est vraiment dans le souci du détail sur un décor intérieur. C'est une écurie. On a des stalles avec des chevaux, on a du foin qui est approvisionné. Et on va loin dans le souci, puisqu'en fait, on a même... Bah là, il y a des impacts de balles, par exemple. C'est assez rigolo. Ce souci du détail, c'est ce qui a attiré Laurent à Fort Bravo. Tous les deux ans, il y organise l'Ultime Western. Un jeu de rôle grandeur nature qui permet à tout un chacun de devenir, le temps d'une semaine, un personnage de western. Conçu dans les années 60 pour les tournages des films de Sergio Leone, le village de Fort Bravo est aujourd'hui encore bien vivant. Ce décor, sa particularité aussi, entre le moment où on l'a connu, où je l'ai connu, et aujourd'hui, c'est qu'il évolue en permanence, propre du décor de cinéma. Il évolue tout le temps, parce qu'il y a des tournages, parce qu'il y a des films, parce qu'on a besoin de changer une façade. Donc nous, on voit tout le temps quelque chose qui change. Et c'est ce qui est magique, c'est qu'on est vraiment, vraiment dans le cinéma. Tu sors de là et tu arrives là. L'idée, c'est qu'au niveau des participants, ils choisissent leur camp. Aujourd'hui, Laurent et ses collègues répètent une scène à laquelle prendront part les participants de la prochaine édition de l'Ultime Western. Nawel, tu vas sortir, en el sol, et après, moi, je vais tirer trois fois. Donc, un, deux, trois. Tres, à la tres, pouf, vuelta. Si. Ok. Action. Uno, dos, tres. L'autre grande particularité du site de Fort Bravo et de ses studios de cinéma, c'est qu'on est au milieu du désert, du seul désert en Europe, et c'est vrai que la déconnexion au temps et à l'espace, elle fonctionne très très bien. C'est-à-dire qu'on va oublier où on est. On peut être en Arizona, on peut être au Nouveau-Mexique, les paysages sont ceux-là.
Et on est dans l'Ouest, on est passé dans le temps. Pour les amateurs de cinéma, pour ceux qui sont friands de cinéma d'aventure, et pour nous, c'est un rêve de gamin. Pour certains, le désert de Tabernas est un moyen d'évasion. D'autres l'explorent sans relâche pour en découvrir les secrets. Ressus est guide et aujourd'hui, il a jeté son dévolu sur les vestiges de cet ancien refuge de berger. C'est une magnifique fenêtre sur le désert. On a une vue panoramique incroyable. On peut voir les montagnes de la Sierra Nevada et celles de la Sierra de los Filabres. En rentrant dans cet édifice, on imagine la vie que menaient les hommes ici auparavant. Les hivers sont très rudes dans le désert. Des maisons comme celle-ci ont abrité nos ancêtres, nos grands-parents, tout au long des siècles. Jesús est un enfant du désert de Tabernas. Il connaît tout du lieu et de ses habitants. Mira. Regarde, des chèvres. Ce sont des chèvres sauvages ibériques. Elles sont originaires de la péninsule. C'est l'un des animaux les plus grands que l'on peut voir ici. Dans le désert de Tabernas, la nature a dû elle aussi s'adapter. Observer la flore locale permet de mieux en comprendre l'histoire. Ça, c'est une plante qu'on appelle le taraï. Si on goûte ses feuilles, on sent le sel. Pourquoi? Parce qu'ici, il y avait la mer il y a 7 millions d'années. Et le sel est toujours présent dans le sol. Et comme il est mauvais pour ses cellules, la plante l'expulse par les feuilles. Et c'est une manière de s'adapter aux conditions extrêmes que nous rencontrons dans le désert de Tabernas. Le soleil et la chaleur façonnent la physionomie du paysage. C'est pour capter cette énergie qu'une centaine de chercheurs s'est installée au cœur du désert. Les installations de la plateforme solaire s'étendent sur près de 100 hectares. Nous disposons d'un espace énorme qui nous permet d'avoir beaucoup d'installations. La plateforme solaire d'Almería est un centre d'expérimentation unique en Europe. Ici, on invente et teste les installations solaires du futur. Parmi elles, un four, une unité de dépollution et de dessalement de l'eau, et cet étonnant champ d'héliosat avec récepteur centralisé. Ce que font ces panneaux, c'est qu'en fonction de la position du soleil, ils s'orientent de telle manière que les rayons qui se reflètent sur les miroirs se concentrent sur un point commun. Ça ressemble beaucoup à ce jeu que l'on faisait lorsqu'on était enfant. On attrapait les rayons du soleil avec le verre de la montre pour le diriger en un point précis du tableau. Une tour de ce type, pouvant alimenter 10 000 foyers en énergie, vient d'être mise en service près de Séville. Pour les ingénieurs du désert, les recherches payent. La raison pour laquelle la plateforme solaire est un lieu fantastique pour faire ces expérimentations, c'est que le niveau de radiation solaire qu'on a ici est très élevé. Je me sens privilégié car je peux faire toutes ces expériences ici, sur ma terre. Et toutes les conditions sont réunies pour que l'on mène ces recherches à leur terme. Pour les villageois qui ont choisi de vivre dans le désert de Tabernas, il semble bien que tous les rêves soient permis. Bon, Sophie, la meilleure façon de découvrir le désert, c'est à cheval. Ah bah oui. Voici mon ami Théo. Salut. Bonjour. Hola, Théo. C'est lui qui va nous accompagner dans le désert. Tu vas bien? Ouais, très bien. Et toi? Très bien. Et oui, pas de cow-boy sans cheval. Hein. Puis alors là, c'est le moment idéal pour faire une balade. Où est-ce que tu nous emmènes? Nous allons partir par ici, faire un tour dans le désert de Tabernas. Ouais. Tu vas voir, c'est vraiment très cool. Allez, tu nous fais découvrir tout ça. On y va. Vamos. Ouais, vamos.
À l'aventura. Regardez ici, c'est un lieu très emblématique du cinéma, où on trouve ce que l'on appelle la tortue. La partie du dessus fait penser à une carapace. D'accord. Et les pierres qui sont tombées de part et d'autre forment la tête et les pattes de la tortue. On imagine très bien ce lieu comme décor de film. Oui. Ouais. Oh là là, oh, quelle vue! Waouh, c'est impressionnant, hein? C'est très impressionnant. Waouh. Est-ce qu'il y a un film qui a été tourné ici qui t'a particulièrement fait rêver, Nawel? Un film qui m'a vraiment marqué tourné ici, c'est Exodus. Exodus? Ah oui? Ridley Scott? Oui, avec Ridley Scott, qui me ressemble d'ailleurs. Et évidemment Indiana Jones quand j'étais plus petit. Bah bien sûr. Avec son fouet, son chapeau. Quelque chose me dit que t'aurais voulu être Indiana Jones, toi. C'est un Indy. Oui. Être Indy. Merci, Nawel. Merci beaucoup. De rien. J'ai vraiment passé un très, très bon moment en ta compagnie. Merci à toi. Hola Maria José. Hola. Bonjour. Ça va? Je te dérange en plein travail, pardon. Ah non. Je suis en train de mettre les amandes en sachet. Ça fait partie de mon travail quotidien. Ça me fait plaisir de te rencontrer ici à Grazia Lema. Elle est mignonne, ta petite boutique. C'est notre boutique familiale depuis 16 ans maintenant. C'est l'unique de ce type à Grazia Lema et les alentours. Nous vendons surtout nos produits maison. Par exemple, ces amandes-là, elles viennent d'où? De chez toi? Oui, ce sont nos amandes. Très bonnes. Tu veux goûter? Ah oui, je veux bien, merci. Quel accueil! Merci beaucoup, voilà, ça va. Elles sont bonnes, hein? Mm-hmm. Très, très bonnes. Et tous les produits qu'on retrouve ici viennent de chez toi, de ta ferme? Oui, la plupart des produits viennent de notre production. Hola. Sophie, je te présente mon papa. Enchanté, Antonio. Antonio, ravi de vous rencontrer. Il revient des champs de la ferme. Et il y a des produits à sortir de la voiture. On va vous aider. Alors, c'est quoi la livraison du jour? Il y a des laitues, des citrons, et des petits artichauts. Je pose ça là? Oui, ici. Okay. Là, Antonio, on voit que c'est des salades qui ont été cultivées avec amour. Hein? Oui, tout est cultivé de façon écologique. Il n'y a aucun pesticide. Sophie, je serais ravie de te montrer notre ferme cet après-midi. Ça me ferait très plaisir. Ok, on vient vous voir tout à l'heure, alors. À tout à l'heure. Il est très sympathique, hein, ton papa. Je peux t'aider? Je pose ça là? Oui. Allons-y, je vais faire un petit tour de Grazia Lema en même temps. Il y a plein de choses à voir. Ça va te plaire? Oh, mais j'en doute pas, ça va me plaire. Grazia Lema est le village qui a l'indice de pluviométrie le plus élevé de toute la péninsule espagnole. Il y a vraiment un microclimat, en fait. Un microclimat qui nous apporte beaucoup de pluie à cause des montagnes, surtout en hiver. Bon, ben, aujourd'hui, c'est plein soleil. Mettons-nous un petit peu à l'abri des petites ruelles.
bien, pues mira, Sophie. Regarde, Sophie. D'ici, nous pouvons voir notre ferme. C'est la maison blanche tout au fond. Elle s'appelle Villa Cardile. C'est un endroit familial très beau. Bienvenue dans ma petite maison roulante. Gracias. Hola, ça me fait plaisir de vous revoir, Antonio. Hola, ça va? Très heureux que tu sois là. Merci de m'accueillir. Je dois aller nourrir les cochons. Oui, je vous suis. Salut les cochons. Et ils ont une très jolie vue sur le village, dites-moi, vos cochons. Oui, ils ont de la chance d'avoir cette vue. Ils sont élevés dans la montagne. On leur donne du maïs bio. Je prends bien soin d'eux. Je vérifie qu'ils ne soient pas malades. Et avec la route à côté, c'est dangereux. Il faut garder toujours un œil sur eux. Mais ils sont sages. Bon, ben, ils m'ont l'air d'être affamés. Allez, il y a du rap pour toi. T'as de la chance. Jolie vos salades, dis donc. Toma, papa. Tiens, papa, le couteau. Pas besoin de couteau pour ça. Écoutez le patron, là. Hein. Ah, vous avez la technique, hein. Oui, oui. Parfait. En 2 secondes, il les ramasse, ces salades. Fantastique. Ce sont des haricots qui se récoltent au printemps. C'est très bon à cuisiner. Même comme ça, c'est bon, hein. Mm-hmm. Ah, moi, j'adore comme ça. Mm-hmm. Délicieux. C'est ici que tu as grandi, toi, Maria José? Oui, c'est notre maison. Casa. Alors aujourd'hui, ça paraît naturel de parler d'agriculture biologique. Au début, tout le monde cultivait comme ça. L'agriculture était bio, naturelle. Puis ils sont arrivés avec leurs machines, leurs fertilisants, leurs produits chimiques. Et là, on s'est moqué de moi. Mes frères et moi voulons poursuivre le travail de nos parents, chacun à notre façon. Sinon, tout ça va disparaître. C'est une tradition de plusieurs décennies. C'est une valeur qu'il faut préserver comme un trésor. Je te présente mon fils. Bonjour. Antonio. Salut. Bonjour. Qu'est-ce que c'est tout ça? Ah, c'est du chorizo ibérique. Et ça? C'est de la mélasse à base de citron. On y ajoute des fruits confits au miel d'abeille qui viennent du potager. D'accord, ok. Bah, je vais découvrir. Ah, voilà ma fille Maria. La petite! Voilà la nouvelle génération. Tu es heureuse de vivre ici, ma belle? Je suis toujours contente de revenir ici pour partager des bons moments. Eh ben si c'est pas beau ça, hein? Merci Maria José. Gracias. Gracias. Au sud de l'Andalousie, l'estuaire du Guadalquivir s'étend sur des centaines d'hectares. Un lieu unique où l'on ne trouve que quelques villages isolés. Et leurs habitants aiment prendre la clé des champs. Ici, comme vous pouvez le voir, la nature est magnifique. Cet estuaire est une réserve écologique. Il y a des échassiers, des avocettes, des cigognes, des flamants roses. Pour les oiseaux, c'est un paradis. C'est un hôtel 5 étoiles grand luxe. Pour nous, vivre ici est synonyme de qualité de vie. Maneguito est un enfant de l'estuaire. Il perpétue une tradition locale. Il est le propriétaire d'un estero,
un de ces immenses bassins où il veille sur un maître très prisé des Andalous. Ces crevettes, on les élève ici, dans l'estuaire. On utilise l'eau du Guadalquivir. L'eau entre dans ces grands bacs, complètement filtrés. C'est vraiment totalement naturel. Écologique. On n'utilise que de l'eau propre. On peut les manger comme ça. Pour les Andalous, l'estuaire est un vivier. Au printemps, d'immenses champs sont inondés pour préparer la culture du grain qui fait la fierté des Andalous. Manuel est le propriétaire de plusieurs hectares de rizières. Aujourd'hui, il doit ensemencer ses champs. C'est une variété à grains larges, un très bon riz. Ces grains nous donneront un très bon rendement. Il a l'air excellent. Ce grain de choix sera semé par la voie des airs. Une opération délicate qui nécessite un plan de bataille. À ton premier passage, fais bien attention au vent. Il pourrait faire tomber le riz sur la route. Ok, pas sur la route. Et il faut bien prendre en compte l'intensité du vent, ok? Sur ce type de mission, on vole très près du sol. Cela demande beaucoup de concentration. Si on ne sème pas correctement, il y aura des trous dans les cultures. Bien semer, c'est essentiel. Mais la manœuvre n'est pas donnée à tout le monde. Eduardo sème du riz dans l'estuaire depuis 35 ans. Aux commandes de son avion chargé de semences, il doit faire preuve d'une précision chirurgicale. J'inspecte la zone sur laquelle je dois larguer le riz. C'est la première chose à faire. Maintenant ! À chaque vol, Eduardo enchaîne les passages jusqu'à couvrir l'intégralité du champ. À 10 mètres du sol, il n'a pas le droit à l'erreur. Manœuvrer son avion, c'est comme être en pleine mer. Il y a beaucoup de vent qu'il faut dominer. C'est comme affronter d'énormes vagues. Mais on se doit d'être impeccable à chaque passage. La culture du riz est très importante dans la région. C'est une richesse pour nous. Elle nous donne beaucoup de travail. Économiquement parlant, on dépend beaucoup du fleuve et des cultures de l'estuaire. Nous vivons en symbiose. Dans l'estuaire, les habitants du village ne font qu'un avec leur environnement. Une particularité que l'on retrouve aussi dans l'assiette. La star des marais est l'ingrédient principal d'une recette plutôt étonnante. On utilise les crevettes vivantes pour que la tortilla de crevettes ait le maximum de saveur. Ce plat très vivant est très prisé des Andalous. Madeguito a appris à le cuisiner très jeune. Dans sa famille, on se passe la recette de génération en génération. La tortilla de crevettes est un plat très bon et typique de la région. Auparavant, c'était un coupe-faim. Les ingrédients sont basiques, de la farine de blé, de pois chiches, du piment, du sel, du persil et bien sûr la crevette qu'on trouvait à profusion auparavant. Cette tortilla est très fine, vous voyez ? Ça a la saveur de l'estuaire. Le goût d'une vie simple au cœur de la nature. C'est le secret du bonheur pour les villageois de l'estuaire.
Hola. Bonjour. Muy bien. C'est sympa chez vous. Oui, flamenco et toro. Ah, c'est ça. C'est l'ambiance de l'Andalousie. Normal, normal. C'est quoi la spécialité de la maison? Je peux vous proposer notre ragoût maison. Bon, moi, je vous fais confiance. Faites-moi goûter ce que vous voulez. Parfait. Asseyez-vous, je vous apporte ça. Ah voilà, la spécialité du chef. Ragoût maison. Gracias. Isabelle. Bonjour Sophie. Hola, que tal? Comment tu vas? Ça va très bien, je suis la plus heureuse du monde. Quelques tapas et une nouvelle amie. Je vais demander qu'on t'amène des couverts. Super, comment se passe ton voyage? Écoute, j'ai adoré faire ce voyage qui n'est pas terminé d'ailleurs. Je finis en beauté ici. J'ai vu Morakar, Tabernas, Frigliana et bien d'autres. Toi, tu les connais tous dans ces petits villages blancs. Bien sûr, j'adore Verrer qui fait aussi partie des villages blancs. Paterna, Bornos, où j'ai d'ailleurs participé à un défilé. Je t'avais envoyé une photo, non? Eh oui, parce que toi, t'es créatrice de mode. Bah, c'est comme ça, d'ailleurs, que je t'ai connue. C'est en te suivant sur Instagram. Merci. Ah oui, voilà. C'est cette photo, en fait. Quand j'ai vu cette photo, je me suis dit... Je vais en Andalousie, il faut que je rencontre cette fille. Parce que je sens que tu puisses vraiment tes influences dans la culture, dans les traditions andalouses. Oui, exactement. Les vêtements de flamenco, c'est vraiment typique de l'Andalousie. L'Andalousie est surtout connue pour ça. Mais ici, à Arcos de la Frontera, on est vraiment chez toi, ici. Oui, c'est ici que je suis née. Où j'ai grandi. C'est d'ailleurs dans la rue juste derrière où j'ai passé toute mon enfance. D'ailleurs, j'aimerais que tu m'accompagnes dans une boutique pour choisir des accessoires de mode. Parce que bientôt, je vais t'emmener à un de mes shootings photos. Ça me plaît beaucoup, je te suis volontiers. On termine ? Isabelle, c'est vraiment charmant, Arcos de la Frontera. Ça fait partie peut-être des plus beaux villages blancs. Enfin, je parle de village, mais ce n'est pas tout à fait un village, Arcos de la Frontera. Bueno, oui, en tout cas pour moi, Arcos est le village le plus beau de tous. Bien sûr. C'est vrai qu'on ne dirait pas un village, car il y a 30 000 habitants. Il paraît comme ça très petit. Mais il n'est pas si petit que ça. Alors, si on cherche vraiment l'âme du village, c'est finalement dans ces petites ruelles de la ville ancienne qu'on la trouve. J'aime beaucoup ce petit village et ce centre historique où nous sommes. Il y a plein de petites maisons avec des tunnels souterrains. On y trouve aussi des petites maisons anciennes qui font comme des grottes. Ah, on a un point de vue magnifique, hein? Superbe. D'ici, on voit le fleuve El Guadalete. Et tu comprends, en voyant tout ça, que Arcos vit du tourisme et de l'agriculture. On voit les champs d'oliviers, d'orangers. Pourquoi ce nom, Arcos de la Frontera? On parle de quelle frontière exactement? Arcos vient du mot arqui, qui signifie forteresse sur les hauteurs. Jusqu'au XIe siècle, Arcos était musulman. Et au XIIIe siècle, les catholiques ont envahi la ville. À l'époque, ils ont donc créé une frontière entre le village musulman et le village catholique. Bonjour Manolo, tout va bien? Oui, ça va. Tu as pu faire des choses pour moi? Oui, bien sûr. Je te présente mon amie Sophie. Voici Manolo. Regarde tout ce qu'il fabrique à la main. C'est vous qui faites tout ça, Manolo? Oui, c'est moi. Oui, à la main? Vous travaillez avec quoi? Avec des cordes, puis je tresse et j'assemble les éléments entre eux.
D'accord. Petit à petit, j'ai appris ce savoir-faire. Et maintenant, j'ai ma boutique où je vends mes créations. Qu'est-ce qui te plaît, Isabelle, dans son travail ? J'aime l'originalité et que tout soit fait à la main. Et regarde la quantité de modèles que j'ai pour choisir. Manolo travaille avec des couleurs très vives et joyeuses. Et c'est ce que je recherche. Lesquelles tu vas choisir alors pour ton shooting ? Alors, c'est dur de choisir, mais j'aime bien celui-ci. Mais j'ai un doute avec celui-là, que j'aime beaucoup. Ah ouais, ça c'est joli, hein ? Ça peut très bien aller avec une robe orange que j'ai créée, mais aussi avec une robe verte. Tiens, essaye celui-ci. Il est très bien, hein ? Il est bien ? Celui-là, il est plus original. Bon, ok, Manolo, je vais prendre celui-là. Combien tu le vends ? Non, c'est cadeau pour toi. Tu me l'offres ? Il est sympa, ton ami, hein ? Il est sympa. Merci beaucoup, Manolo. Merci beaucoup, Manolo. Je t'enverrai la photo avec la pose du mannequin. J'espère qu'il aura au moins la photo. Muchas gracias, Manolo. Porte-toi bien. Au revoir. Hasta luego. Sophie, on arrive chez moi où je vais te présenter mes parents et te montrer mon atelier, mon petit atelier. Allons-y. Bonjour. Bonjour, voici Sophie. Enchantée. Pardon, merci beaucoup. Voilà, on est dans mon petit atelier. Bah attends, pour bien comprendre, on est dans ton atelier ou dans l'appartement familial ? Un peu les deux. On est aussi un peu chez vous. D'accord, j'ai compris. Voici papa. Ah oui, vous vivez tous en famille ici. Bonjour, enchanté. Bonjour. José Ignacio et mon papa Ignacio. D'accord. Alors José et vous tous dans la famille, vous êtes les premiers spectateurs des créations d'Isabelle. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est ça. Et on a beaucoup souffert. Mais pourquoi vous dites ça ? Parce que nous nous sommes souvent enfoncés des aiguilles dans le pied. Ah oui, c'est ça. Et ça fait partie des dommages collatéraux. Hein. Alors regarde, on va pouvoir essayer ici le sac de Manolo avec la robe orange. Ou alors avec la robe verte, portée, croisée. Ah ! Qu'est-ce que tu en penses, Isabelle ? Ah bah oui, ça vous plaît comme ça ? Moi, je suis d'accord avec ta maman. J'aime bien comme ça. Tu préfères avec la verte. Ouais. Comment ça a commencé, cette passion pour la couture chez Isabelle ? Ce que je peux te dire, c'est que quand Isabelle Maria était petite, âgée de 2 ans et demi, sa maîtresse un jour m'a appelée et m'a dit « Regarde, ta fille va être couturière ». Je lui ai demandé pourquoi. Et elle m'a dit qu'Isabelle avait coupé la robe de sa copine à l'école. À ses 2 ans et demi, elle avait fait sa première création. Et quand je lui ai demandé pourquoi elle l'avait fait, elle ne m'a pas répondu. Elle était toute sage. Elle a su exploiter son talent. C'est toi, là ? Oui, c'est moi. Ah, elle est belle, hein ? Je monte à cheval depuis très petite. C'est vrai qu'avec le travail, j'ai moins de temps pour le faire. Cette photo a été prise lors d'un spectacle équestre. Je portais des habits d'Amazon, car je confectionne également des habits pour les femmes Amazon. Salut ! Ça va, ma belle ? Et toi, Aurélia ? Le cheval fait partie du quotidien des habitants de la province. Ici, l'animal est un moyen de transport à part entière. Pour venir à cheval au village, nous avons des animaux très dociles, très bien éduqués. Il doit être habitué à voir des voitures, des camions. On ne peut pas monter un cheval trop nerveux. Sinon, lorsqu'une voiture nous dépasse, il peut lui donner un coup et l'endommager, par exemple. Les chevaux de Matteo connaissent bien les rues de Montellano.
Tous les week-ends, après le travail, toute la famille part en balade. Un moment de détente indispensable. Ici, en Andalousie, on adore les chevaux. Beaucoup ici les utilisent tous les jours pour travailler au champ ou dans les élevages. Mais le week-end, on en profite autrement. Dans les villages andalous, on a le cheval dans le sang. Ici, on apprend très jeune à connaître l'animal. On va réviser les différentes parties du cheval, compris ? Chaque semaine, Matteo donne des cours aux enfants de Montellano. La nuque, les oreilles, le front, les yeux. Et il n'est pas seulement question d'anatomie. Assis. Debout. Assis. Car lorsque l'on grandit ici, mieux vaut savoir monter avec style. Elles apprennent les techniques de base de l'équitation. C'est la même qu'au balai. Il faut être droit, bien équilibré pour gagner en liberté de mouvement. Sans cet équilibre fondamental, on ne peut pas être à l'aise. Les cours d'équitation sont un passage obligé pour les enfants du village. Attention, on s'arrête. Même pour les nouveaux arrivants. Les mains ici, ok? Mets-toi bien droit. Le menton vers l'avant. Victoria a 5 ans. Et la petite Française a déjà fière allure sur sa monture. C'est mieux. La première chose à faire ici, c'est apprendre à monter à cheval pour la vie sociale. Parce que vraiment, la vie se mène à cheval. Et tous les enfants des Clinès, d'ailleurs, sont sur les chevaux. Nous, comme on n'est pas bon cavalier, j'ai préféré offrir des cours à Victoria de façon à ce qu'elle soit à l'aise et qu'avec ses copines, quand elle sera plus grande, elle pourra aller balader dans le village à cheval, avec sa sœur aussi, qui elle aussi monte à cheval et à son cheval. Les chevaux font partie du mode de vie des Andalous. Et ici, ils sont aussi une richesse. Aux abords des villages, on trouve des milliers d'élevages. Des cocons où l'on façonne l'animal fétiche des habitants de la province. Ce poulain, on commence à l'entraîner. Quand il sera un peu plus grand, on pourra commencer à le guider à la corde. Ce poulain, il se distingue des autres. Il se distingue par sa taille. Il est déjà très grand pour son âge. À sa forme, on voit qu'il deviendra un très beau cheval, très fin. Il aura beaucoup de succès à l'âge adulte. Dans cette hacienda, on élève des chevaux d'exception. Enrique Lovera est l'héritier d'une tradition ancestrale. Sa famille élève et vend des chevaux de travail et de concours depuis presque 150 ans. Chez les Lovera, les animaux font partie de la famille. Ce sont des chevaux de pure race espagnole. Ils sont ici depuis leur naissance. Quand je viens voir mes chevaux, les monter, les saluer ou les faire manger, ce sont des moments très particuliers. Un cheval, ça te transmet beaucoup d'émotions. C'est vraiment particulier. Les chevaux d'Enrique sont bien nés. Les meilleurs d'entre eux sont vendus plusieurs dizaines de milliers d'euros. Au trot maintenant. Fais-le trotter. Petit à petit, un trot de travail. Renommé et très prisé, le cheval andalou s'exporte dans le monde entier. Ici, les élevages de chevaux sont des entreprises très importantes dans notre économie. Traditionnellement, c'était l'activité première. C'est moins le cas aujourd'hui, mais elle emploie toujours beaucoup. Pour les Andalous, les élevages de chevaux sont une richesse. Elles font partie de notre patrimoine et de nos traditions. En Andalousie, le secteur équestre génère encore 30 000 emplois. Le cheval,
est toujours au cœur de la vie des habitants de la province. Regarde Sophie, mes amis sont là. Ah, voilà des copines. Oh, qu'elles sont jolies les filles. Allez-y, montez. Salut, ça va? Voici Maria Angel et Anna. Salut Anna. Maria Angel, c'est ça? Et Anna. Parfait. Allez, on y va. Vamos. Bon, alors c'est quoi le programme maintenant, Isabelle? Alors, nous allons faire un shooting photo avec les filles. D'accord, et on va où là exactement? Nous allons au centre hippique de la Nièvre, là où j'ai appris à monter à cheval. J'ai passé une grande partie de mon enfance là-bas, c'est comme une deuxième famille. Bon, là tu vas être dans ton univers, hein? C'est vrai, je vais être avec les chevaux, les filles, mes costumes, tout. Con todo. Ouais, ça va être un beau moment. Et voilà. Vamos. Buena niña. Salut les filles. Salut, ça va? Alors, regardez, cette robe va être portée par Olga. Très bien, elle est parfaite. Celle-ci pour Marta. Très bien. Pour toi, Maria Angel, la rouge. Ça va t'aller très très bien, la rouge. Et l'autre pour toi, Anna. Alors, je vais organiser le lieu du shooting autour du patio, car ça sera très joli. Et je vais chercher le cheval qui sera à côté de vous pour les photos. Ça va être très joli. Pendant que tes amis se préparent, tu me fais visiter un petit peu? Si. C'est magnifique, hein, ici. Alors, ici, c'est un endroit que tu aimes particulièrement parce qu'il y a des chevaux et ça, c'est ta première passion. Oui, Sophie, je suis ravie de te montrer ce centre d'équitation car c'est comme une partie de mon enfance ici. C'est là où j'ai appris avec mon oncle. Et je te présente mon ami Carlo, qui est le responsable du centre hippique. Il est en train de préparer le cheval pour poser avec les filles. Il est magnifique, ton cheval. Il s'appelle Kohiba. C'est le champion du seul obstacle 2020. Oh, pardon. Mais il n'y a que des champions, non, ici, et des championnes. On essaye de faire des champions. Pourquoi tu as choisi ce cheval en particulier pour tes photos? Parce que ces chevaux-là sont spectaculaires. Mais là, je pense qu'un cheval noir est le plus typique de l'Andalousie. J'ai envie que mon travail reflète mes deux passions, les chevaux et la mode. Regarde Sophie comme la photo est jolie. Je suis super contente car les filles sont magnifiques. On dirait presque une peinture. Merci de m'avoir fait découvrir ton univers. Merci à toi. Village blanc d'Andalousie.
jalousies sont maintenant derrière nous. Merci d'avoir été les passagers de ce très beau voyage. J'étais très heureuse, comme d'habitude, d'être en votre compagnie. Alors, on a l'impression que sur ce magnifique tableau qu'a été ce voyage, que seul le rose des bougainvilliers, le vert des cactus ou alors le bleu que l'on retrouve sur les portes et les fenêtres peuvent s'inviter sur la palette à côté de ce blanc immaculé. Merci une fois de plus de m'avoir accompagnée. Nous aurions eu d'autres villages à découvrir ensemble, mais ça nous donnera l'occasion de revenir. Si vous voulez revivre ces échappées belles, eh bien vous le savez, il y a le replay. On peut aussi se donner des nouvelles sur les réseaux sociaux. Hasta luego, amigos! Et comme d'habitude, faites de beaux voyages! Moi, je mets chaussettes.